Hello, coucou les slingos, les slingotes, j'espère que vous allez bien. Alors moi j'ai été chez... Alors on a été voir pour renouveler la carte du resto. Et puis après je me suis dit, tiens, on va aller faire un petit tour. Mon mari m'a dit, tiens, on va aller voir chez Metro, il y a des beaux palmiers et tout, tu vas voir, c'est génial. La fille, elle est sortie avec un salon de jardin. Elle était partie pour acheter des palmiers, elle est ressortie avec le salon de jardin. Bon bah, enfin bref, bon, c'est pas grave. Hein. J'ai envie de me faire plaisir, je peux rien faire, je peux pas aller marcher, je peux pas aller sortir, je peux rien faire. Donc j'ai dit, allez, hop là, une petite folie, ça fait longtemps que je le voulais, celui-là. Je trouvais pas la couleur qu'il me fallait, donc celui-là, la couleur, elle me va bien. Donc du coup, ni vu ni connu, je suis allée à l'accueil de chez Métro. Mon mari avait la carte Métro, puisqu'on est restaurateur. Et la dame lui dit, ça fait tant. Mais il dit, c'est quoi ça? J'étais dans le jardin, t'as plus qu'à venir le chercher vendredi, je l'ai acheté. T'as vu les filles comment on fait? Ni vu ni connu, je t'embrouille. La malice. Donc, on n'est pas pour parler de ça, voilà, c'était juste un petit blabla entre nous. En plus, il fait super beau, j'ai remis les petits pois, les trucs de l'été et tout. Il faisait 21 degrés aujourd'hui, on est le 29 mars, c'est génial. Bon, maintenant je perds un peu ma race parce que du coup, ben voilà, j'ai mal au dos, j'ai voulu faire plein de trucs. Et puis, ben voilà, quand tu veux, ben, après t'en subis les conséquences, ma fille, c'est comme ça. Bon, allez, Sylvie, arrête de dire n'importe quoi. J'ai été chez. Eh ouais. Eh ben ouais. Chez. Eh ben ouais, eh ben ouais. Je me suis dit, peut-être que là-bas, j'y vais pas souvent, parce que c'est carrément de l'autre côté. Je vais aller voir si je trouve des trucs. J'ai trouvé plein de trucs. Et puis j'étais en train de farfouiller au fond parce qu'il faut farfouiller pour trouver les trucs. Et puis je me relève et là une fille me regarde. Mais alors on a... J'ai envie de lui dire, mais tu m'as jamais vu. Il y a un problème, t'as un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là la fille, elle me dit, mais c'est bizarre, je reconnais tes lunettes. Sympathique. Tu reconnais mes lunettes, mais tu reconnais pas la face. Bon, c'est pas grave. Je dis oui, oui, bien sûr, oui. Elle me dit, bah, t'es le livre et le scrap. Je dis oui, bien sûr. Donc, du coup, mon mari attendait dans la voiture. Il a fallu qu'on blablate un petit peu. Bah oui, bah, c'est normal. Hein, bah oui, on blablate avec les abonnés. Et puis, du coup, mon mari, bah, t'en as mis du temps. Bah oui, bah, j'y peux rien. Je suis désolée. Voilà. J'ai rencontré Agnès. Et du coup, bah, il a fallu qu'on blablate. J'ai pas le choix. C'est comme ça. Quand on est une star, on est une star. Ben voilà, je n'ai pas encore d'autographe, mais je blablate. Non, je rigole. Allez, faut bien rigoler. Faut bien rigoler, les filles, dans la vie. Oui, faut rigoler, faut rigoler. Donc du coup, eh ben, on va passer sur la caméra, puisque la caméra fonctionne, et puis on va regarder tout ce que j'ai acheté. Voilà. Alors, eh bien évidemment, on va commencer parce que je ne devais pas acheter. Mais ouais, voilà, je suis en train de vous faire bouger. Ben oui. Ben oui, ben, de toute façon, on n'a pas le choix. Quand je passe à la caisse, ils sont devant moi. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il y a la petite vache qui est là, elle me fait meuh, elle me dit Biscuiti, coucou, chocolata. Ben oui, ben oui, ben oui, ben Sylvie, t'es obligée d'y aller. T'as pas le choix. Ben ouais, voilà. Et puis après, je dis, ben tiens, il y a la petite à côté. Si je mets qu'une vache, ben, elle va s'ennuyer. Donc, je fais quoi? Ben, je passe à la deuxième vache. Bon, là, les filles, j'ai été raisonnable. Elle est petite la tablette, hein. L'autre de l'eau salpès, voilà. Bah ouais, mais à côté il y avait sa grande sœur. Bah oui, eh bah oui. La MM Max. J'ai pas pu faire autrement les filles, j'étais obligée de la reprendre. Bah oui, puisque je la mange. Donc du coup, faut bien que je la reprenne. Bah ouais. Ah. C'est ce que je disais à Monique qui passait au restaurant samedi. Le chocolat fait rétrécir les jeans, les filles. Faites gaffe, hein. Alors, comme je m'en sers moi pour faire le tour pour mater et puis ancrer toutes mes créas, bah, évidemment que bah, au fur et à mesure, le rouge, je m'en sers pas mal. Donc du coup, ça, il n'y a presque plus d'encre. Donc du coup, j'en ai repris. Il y avait que du rouge, ça tombait bien. Donc du coup, j'ai repris 0,99 les 4. Alors, j'ai repris aussi. Puisque j'ai plein de petites choses à ranger du partenariat que j'ai reçu. J'ai pris cette petite boîte recto verso avec plein de petits compartiments. Voilà. Que j'ai payé
Je vais vous dire ça tout de suite. 2,48. Donc de chaque côté, il y a des compartiments. Je pense que là, il y a plein de petits. L'autre côté, il y a des grands et des petits. Voilà. Donc ça, ça va bien me faire l'affaire. Je vais ranger toutes mes affaires dedans. Après, je ne peux pas vous montrer. J'ai repris une grosse boîte comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, la grosse boîte avec les gros tiroirs en format A4. Que j'ai payé 6,99, mais voilà, je manque de tiroirs, donc du coup dans les tiroirs il y en a trop et il faut que je fasse du tri. Donc je les avais pris la dernière fois et j'ai dit allez hop, je les reprends parce que là pour les créas je me suis déjà servi de pas mal de papillons parce qu'ils sont super chouettes pour l'été. Et je me suis servi des fleurs, donc j'ai dit ça va partir à une vitesse grand V. Donc j'ai dit allez hop, je me les reprends, 0,74. Il y a ces petites fleurs là comme ça. Et pourquoi vous bougez vous à chaque fois? D'habitude, attendez, bougez pas. Hop, tac, d'habitude ça bouge pas. Donc il y a celles-ci qui sont mignonnes. Je vous ai montré la dernière fois, celles-ci qui sont un peu plus pastel. Je m'en suis déjà servi. Et puis il y a ces petits papillons là, couleur pastel. Et puis ceux-là qui sont un petit peu plus, sont pastels, mais il y en a des, les couleurs sont un petit peu plus vives en fait. Voilà. Donc je m'en suis déjà servi, je ne vais pas les ranger parce que je vais les ranger dans les autres boîtes. Donc du coup j'ai dit, il faut que je les reprenne. Alors la dernière fois, j'en avais trouvé, qui n'était pas forcément mon dada, mais je m'en suis déjà servi. J'ai trouvé ceux-là, et puis j'en avais un autre, j'en ai pris qu'un. Je sais plus. Je crois que oui, j'en ai pris qu'un. Ah non, j'en avais pris deux. J'avais pris celui-là, qui était très joli. J'avais pris celui-là, voilà, plus pour faire mon scrapbook life on paper, voilà, pour marquer good morning et tout. Et du coup, les autres, dans l'action où j'avais été, ils n'y étaient pas. Je les voulais absolument parce qu'ils sont superbes. Et du coup, je les ai trouvés. Celui-ci est juste magnifique avec la jeune femme, avec le bouquet de fleurs. Bon, ils sont un peu... ouais, ils se défont un petit peu, mais bon, on remet de la colle après. Hein. Le livre, le petit bloc-notes, le vélo qui est très sympa. Voilà, le petit... Je ne sais pas si c'est un petit renard ou un petit lama avec des lunettes. J'ai trouvé ça sympa. Ils sont à 0,64, 0,74, je ne sais plus. Là, avec des petites fleurs, avec les petits numéros et tout. Voilà. Là, il y a le petit calendrier en bas. Voilà. Donc, j'ai dit, allez, je les prends parce que je les avais comme ça. J'ai les quatre. Je ne sais pas combien il y en a, mais je les ai repris. Alors, après, j'ai pris ces petites... ces petits pots, en fait. Là, il y a des cœurs, il y a des petites paillettes, il y a tout ça. À 0,74. Pourquoi je les ai pris? Parce qu'en fait... je me disais, pour mettre dans un calendrier de l'Avent, bah oui, je suis à Noël, bah faut commencer déjà à chercher des petits trucs qui ne soient pas gros pour mettre dans les calendriers de l'Avent. Pour envoyer mes calendriers de l'Avent à 2 ou 3 abonnés comme j'avais fait, et ben du coup, voilà, on fait, je mets ça dedans. Ah, puis j'ai autre chose à vous dire après. Alors, j'ai acheté ces petites fleurs-là parce qu'on s'en sert beaucoup. Les arômes, j'en avais plus. Donc, du coup, il n'y avait qu'une couleur blanche. J'ai pris blanc. Ces petites fleurs-là, j'en avais plus non plus. Il y avait rouge et blanc, je les ai repris. Et les petites roses, je n'ai pas repris parce qu'il y en avait des rouges, des roses. Et du coup, je n'avais pas cette couleur-là. Donc, du coup, je l'ai pris. Et les petites fleurs, elles sont à, je les ai notées, 0,74. Voilà. Donc, je vais les mettre avec les fleurs. Que je range parce que j'en ai trop. Celle-ci, pareil, j'en avais plus du tout. Je les trouve super sympa pour mettre dans un bouquet. Donc là, il y avait les 4 couleurs. Donc j'ai pris, il y avait une autre couleur, mais j'ai pas pris. J'ai pris bleu, violet, rose et jaune. Voilà, je les trouve sympa. Après, voilà, on remet les pétales comme il faut. Après, vous allez dire, Sylvie, tu peux les faire, mais j'ai pas trop envie de les faire. Et pour le prix où on les achète, voilà, j'ai pas trop envie de me casser la nénette. Je sais plus combien je les ai payés. 0,84 je crois. Voilà. Donc du coup j'ai pris toutes les couleurs. Et dedans il y en a 12. Voilà. À 0,84 centimes. On va pas se casser la tête. Hein.
Là, pas du tout. Bah oui, j'ai pris. Il y avait couleur orange dedans. Donc, du coup, j'en avais pas. Je l'ai pris avec la couleur orange. 0,89. Voilà. Et puis, je les voulais. Je les trouvais pas, mais je les ai trouvés. Donc, j'ai pris les quatre couleurs. Les dentelles sont pareilles dans tous les paquets, je pense. Ouais, ils sont pareils. J'ai pris rose, un petit peu gris, marron et blanc, bleuté et un petit peu couleur café. Voilà. Donc ça donne ça. Alors ouais, il y a 1 mètre à chaque fois, c'est pas grand-chose, mais bon, ça fait sur une créa, c'est sympa. Voilà. Hop, ça c'est fait. Après, bah, j'ai acheté quoi? Ah, j'ai acheté des choses, alors qui ne sont pas du tout, du tout. Alors, on va finir sur le scrap et on verra pour le reste après. Alors, j'ai pris ce papier vellum. Je m'en sers pas beaucoup, mais là, je me suis dit, les feuilles sont très jolies, avec des petites pâquerettes, couleur verte. Là, c'est uni. Là, c'est comme des petits vermicelles. Alors, j'espère que vous voyez bien. Hop, là, c'est uni. Là, c'est des petits pois blancs. Après, c'est uni. Là, c'est encore des petites fleurs. Je trouve ça joli. Après, c'est uni. Là, il y a un petit Vichy couleur vert qui est pas mal. Après, c'est du uni. Et après, c'est des petits cœurs. Voilà. 1,69 €. Il y en avait de plusieurs sortes, mais comme je m'en sers pas souvent, celui-là me plaisait bien pour faire quelques créas pour cet été. Même des petites cartes. J'ai des tutos en fait dans la tête. Et je trouve ça pas mal. Voilà. Donc, il va aller avec les autres vellums. Alors, ensuite, après, j'ai trouvé. Alors, il y en avait plusieurs, mais il ne me plaisait pas forcément les autres. Donc, c'est ce que je dis. Si c'est pour prendre. Je crois que j'ai mon mari qui est passé par là, qui m'a piqué mon cutter. Je crois qu'on va pas être copains tous les deux. Oui. On va pas être copains du tout. Tiens, ben voilà, à cause du cutter, voilà ce que j'ai fait. Comme j'ai pas le cutter, j'ai déchiré la page. Bon, c'est pas bien grave, on pourra la recouper. Ouais, j'ai trouvé ça, celui-ci sympa. Bon, après les grandes feuilles, je m'en sers pas forcément, mais je verrai bien pour faire un paquet cadeau, c'est sympa. Voilà, il y a du, là il y a plein de petites, des petits hippocampes, des choses comme ça. Là il y a des pêches. Là c'est des abricots, je sais pas trop. Et là c'est des petites glaces. Comme d'hab. Donc là, il y a une feuille fine abricot, ça reprend. Les glaces, là, le vert, les petits coquillages de mer. Voilà, pour mettre sur une carte. C'est sympa pour l'été. Là, c'est d'une autre couleur. Là, c'est la mer. Là, on a pêche. On passe après sur les glaces. Il y en a deux de chaque, apparemment. Donc, ouais, deux de chaque. Et là, on retombe sur la mer. Après, on a des petites cartes comme ça à détacher. Là, c'est des toutes petites petites cartes. Hop. Celles-ci que j'aimais beaucoup. Celles-ci, elles sont très très belles. Avec la petite cabane de plage, elle est très jolie. J'aime beaucoup. Si je fais ça fait quoi? Vous avez moins le reflet de la lumière peut-être. Ou alors j'avance. On va avancer les filles, vous verrez mieux. Là, je recule. Hop, voilà. Reculez un peu. Hop, voilà, comme ça, vous allez voir. Elles sont sympas, j'aime beaucoup. En plus, elles sont en relief. Et puis, sur le derrière de la petite carte, il y a des petites images en noir et blanc. Ça, c'est des petits tags, ils sont sympas aussi. Non, j'ai bien aimé celui-ci. Pyjama, summer, dolce, water. Non, il est pas mal. Bon, après, ça, c'est des petits autocollants. Voilà, avec des petits numéros. Les numéros, après, on peut les garder, hein. Il y a plein de petits autocollants pour faire des petites bordures. Ça, c'est pas mon kiff. Ça non plus. Le coloriage, je fais pas. Alors ça, je ne sais pas pourquoi c'est fait. Ah, c'est pour faire une boîte. C'est pas trop mon truc. Voilà. Ça, c'est pour faire du coloriage.
Je ne suis pas très coloriage. Voilà. Hop, et bien évidemment, il n'y a rien dedans. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait une pochette, mais il n'y a rien dedans. Voilà. Donc voilà, celui-là, j'en avais déjà des comme ça. Et du coup, je me suis dit, bah allez, hop, je vais le mettre là-bas. Je le rangerai après. Ensuite, après, alors, j'ai trouvé, il y avait tous les dies de cette grandeur. Ils y étaient tous, hein, avec les petits cœurs, la forêt, machin et tout, les petites boules et tout. Mais en fait, comment dire, c'était pas trop. Ouais, j'étais pas trop emballée parce qu'en fait, il faut faire des grandes cartes. Je suis pas très grande carte comme ça. Ils sont tous là. Hein. Voilà. Donc ils y étaient tous. Hein. Il y avait la mer avec la baleine. Il y avait les traits. Donc ça, j'aimais pas. Il y avait les bulles. J'ai pris. Je crois que c'est celle-ci que j'ai pris. Non, c'est la mer avec la baleine que j'ai pris. Il y avait celle-ci avec les montagnes. Il y avait celle-ci. Ils y étaient tous. Mais après, ils sont à 3 euros et des brouettes, je crois. 3, 4, ouais, 4 euros, 3,99. Et j'ai pris celui-ci parce qu'il y avait les petits cadres qui étaient là et moi je m'en sers. Les petits coins, voilà, le petit timbre. Le grand, je m'en servirai pas forcément. Celui-ci, je l'ai pris pour cet automne pour faire des cartes avec la forêt derrière et puis à la rigueur mettre comme de la neige avec le Père Noël, voilà. Et puis celle-ci, je me suis dit, il y a la mer, il y a la plage et tout, les poissons, on verra bien. Voilà. Mais c'était pas trop mon dada. J'aurais pu tous les prendre, mais non, c'était pas mon truc. Alors, je fais des attrape-rêves. J'ai fait des magnifiques attrape-rêves. Et là, ils en avaient de toutes sortes. Alors, je ne sais pas ce que ça donne à 2,29 €. Il y en avait plein, avec plein de choses différentes. Donc on va regarder. Ben oui, parce que mon cutter, il est plus là. Je sais pas ce qu'il en a fait. Mais voilà, il s'est servi de mes affaires. Je crois que ça va pas le faire. Non, j'ai plus mon cutter. Non, j'ai plus mon cutter. Il fallait que je sois pas une mauvaise langue quand même. Bah si, je suis mauvaise langue. Non, mais parce qu'il n'est pas mis à sa place. Voilà. Au lieu de dire que c'est les autres, Sylvie, range tes affaires. Ah non, il me l'a cassé. Ah voilà. Je crois que ça va mal se finir, monsieur Ducrot, Jean-Luc. Oui, on s'en fout, j'ai dit mon nom de famille. Vous le connaissez. Hein. Dedans, on a les petits. Et il n'y en a pas beaucoup, hein. Les petits fils pour faire l'attrape-rêve. Il y a les petites plumes pour mettre au bout. Les petites perles. Et le rond. Voilà, il y a des petits cœurs. Donc ça, moi je l'ai avec les feutres, les aquas, comment ça s'appelle? Avec cela en fait, moi je peins sur du bois et ça marche super bien. Donc tout est expliqué ici. C'est que du bonheur. Ah, ça fait au crochet. Oh. D'accord. Et ils ont mis le crochet dedans? Ben non, il n'y a pas de crochet. Donc celui qui n'a pas de crochet, qui fait pas de crochet, eh ben c'est Tintin. Il est obligé d'acheter un crochet. Bon, moi, des crochets, j'en ai. Donc je verrai bien. Voilà. Je vais faire et puis je verrai bien les filles. Hein. Je vous montrerai. Moi, je ne suis pas très plume en bois comme ça. Je mettrai des vraies plumes. Mais après ces plumes-là, on peut les mettre sur une créa. Voilà, je dis, allez, je vais essayer, je vais bien voir. C'est comme les petits lapins pompons, hein, je les ai faits, et puis voilà quoi. Allez, rentre dedans, hop. Voili, voilou, on verra bien ce que ça donne. Alors, ensuite, ben, je me suis repris de la colle. Hein. Voilà, de la taquiglu comme ça, de la comme ça que j'aime pas trop. Mais je trouve qu'elle va mieux quand on veut faire une couverture d'album. Et bien ensuite, bah oui, je me suis repris. Alors, j'ai trouvé celui-ci. Il n'y en avait qu'un. 1,95.
Ils s'ouvrent dans ce sens-là. Ça faisait longtemps qu'ils n'en avaient pas fait. En feuille A4, noir et blanc. Alors, il y a des feuilles plus fines, des feuilles plus épaisses. Voilà. Il y a une feuille fine, une feuille épaisse à chaque fois. Et une feuille unie. Là, on a la feuille épaisse. La feuille fine. Et la feuille unie. Voilà. La feuille épaisse, la feuille fine, la feuille unie. C'est du noir et blanc, hein. C'est pas. Après, on peut faire des choses sympas avec quand même. Il y en avait qu'un. Voilà. Donc je l'ai pris. Voilà. Donc en A4, je ne sais pas s'il y en a d'autres comme cela. C'est pas noté. Donc on verra bien. Voilà, pour faire des créas, je verrai bien. Allez, hop. Je me suis repris du cardstock couleur vert rose, enfin rose très pâle, gris. Et puis j'ai repris du beige et du blanc. Voilà. Donc ceux-là, ils sont à, je ne sais plus le prix, je vous dirai des bêtises, 1,55. Je crois, je ne suis pas sûre. Hop. Et celui-là, il va ici. Hop. On range, hein, chaque chose à sa place et chaque place à sa chose. Alors, j'ai trouvé celui-ci en 30-30. Je vais vous éloigner un peu. Voilà. Il y en avait pas mal, mais je les avais déjà les autres. Alors, celui-ci. Il y a deux feuilles à chaque fois. Là, ah, j'ai l'impression qu'il est plus fin que l'autre. Ah non. Donc là, il y a deux feuilles identiques sans foil. Je vais les rapprocher pour que vous voyez mieux. Hop. Là, ici, c'est des petites... comme des petites herbes. Là, ici, c'est avec du foil. On voit pas beaucoup. Là, c'est des petites tasses à café. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, vous voyez mieux. Avec des petites tasses à café en foil. Celui-là, il est très très blanc. Hein, très pastel. Hein. Après, ça, c'est pas mon trip. Ça, c'est pas mon trip. Mais je peux découper ça pour mettre dans mon scrapbook. Un paper. Ah là, c'est très très blanc avec des petits pois. Là, c'est des comme des petites fleurs. Là, il y a du foil. Là, avec un avec du foil et un sang. Là, c'est couleur vert clair un peu. Là, il y a du foil dessus. Là, c'est complètement uni vert. Donc, on peut s'en servir comme pour faire une structure. Là, c'est des toutes petites fleurs. Alors, j'espère que vous voyez bien parce que c'est vraiment petit. Là, il y a du foil dessus. Après, des petites cartes. Ça, j'aime beaucoup. C'est les petites pâquerettes. Ah, c'est bien, il y a deux feuilles identiques et les deux sont sans foil. Et après, ça, c'est deux feuilles, une avec du foil, une avec sans. Et là, 200. Ah ben c'est très bien. Voilà. Donc celui-ci, je ne sais pas combien il y en a. Ah ben il ne le marque pas. Donc on ne peut pas savoir. Voilà. Ensuite, il y avait celui-ci. Collect Moment No Sing. Donc il est ouais, un peu plus dans mes tons. Voilà. Avec et sans foil. Alors ça, c'est des soleils. Ces deux-là sont sans foil. Là, c'est des petits papillons. Bah, les deux sont sans foil, donc c'est très bien. Là, c'est, je sais pas quoi, des petits cactus. Il n'y a pas de foil. Ça, c'est des petites fleurs. Un avec un sang. Des petits pois. Un avec un sang. Alors là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Comme des petites lunes. Un avec un sang.
Là, c'est des fleurs, couleur un peu chocolat. Mais alors là, le foil, il est très, très. Il n'y en a pas beaucoup. On a l'impression que il y a eu un problème sur la page parce que c'est pas. Après, là, j'aime pas forcément tout. Là, c'est les mêmes, mais avec des paillettes, avec du fold. Voilà. Ces deux pages-là sont sans fold, c'est des petites feuilles. Des petits papillons. Celle-là, elle est belle. J'aime beaucoup celle-là. Avec du fold, elle est très belle. Ouais, ça, c'est pas trop mon trip. Avec et sans. Voilà. Encore des petites lunes, mais d'une autre couleur. Et là, c'est des petits pois avec et sans. Et voilà. Donc, je vous ai montré celui-ci. Je vais le ranger après. Hop. Après, j'ai pris celui-ci et celui-ci. Alors, celui-ci, autant vous dire que je le voulais absolument. Alors, vous allez vous. Vous allez, ah, mais là, les filles, vous allez pas dire ben, pourquoi tu le voulais. Ben, oui, forcément que je le voulais. Ben, évidemment. Fruit de la passion et cupcake. Là, ça, c'est couleur violet comme ça. Alors, celui-là, il est trop beau. Bleu-vert comme ça. Mais celui-là, j'adore. Là, bah, celui-là, bah oui, autant vous dire que oui. En plus, les deux sont pareils. Là, encore un violet. Je pense qu'après, il y a du foil. Voilà. Celui-là, il est juste magnifique. En vert avec des petits carrés. Et celui-là, il y a du foil. Celui-là, c'est des petits ronds, des petites arabesques. Avec, celui-là, il est trop beau, mais il fait plus penser à Noël, celui-là. Celui-là, j'adore. Alors, du coup, en fold, il est magnifique en violet. J'aurais. Ah, ben non, il n'y en avait qu'un. J'allais dire, j'aurais dû en prendre deux, mais non, il n'y en avait qu'un. Alors, celui-là, il est trop beau. Là, c'est du vert avec des petits pois. On le retrouve ici. Voilà. Ça, je m'en servirai plus pour Noël. Alors, celui-là, ben voilà quoi. Ben oui. En plus, il y en a deux. Alors, mauve avec du fold. Ouais, celui-là, je m'en servirai plus pour Noël de cela. Celui-là est beau, avec des feuilles dessus. Ah bah, encore. Voilà. Bah oui. Il tire beaucoup sur le mauve. Et là, les deux feuilles sont sans fold. Et là, une avec et une sans. Voilà, celui-ci, il est très très beau. Il est très joli. Après, il y avait celui-ci, coffee. Donc, il est très simple. Alors, ça, j'aime pas du tout. Ça va. Ça va. Alors, encore les petites. Voilà. Ça, non, c'est pas trop mon trip. Ça peut aller. Pour faire un fond, ça aussi. Coffee. Mais coffee, mais c'est que la couleur coffee parce qu'il n'y a pas de A café. Ça. Donc les petits pois, c'est pas mal. On retombe après sur les mêmes. C'est du recto verso. Et voilà. Hop. Donc, eh ben, je pense qu'on a fait le tour de mes achats de chez Action. Voilà les filles. Si vous vouliez voir, quand je vous dis que mon mari il fait du bruit avec sa machine, il a fait un Groot comme ça. Donc maintenant, moi, je vais venir le peindre. Il a fait la tête du Groot pour mettre des stylos, mais adulte. Donc je vais venir le peindre. Et là, il a fait une cage à oiseaux qui est juste magnifique. Je vous la montrerai. Et en fait, je me sers de la peinture acrylique de chez Action pour venir peindre ces petits sujets comme ça qui fait, qui sont juste magnifiques. Ce petit Groot, il est trop mignon. Je l'adore. Voilà. Donc je vais le peindre. Et puis oui, Monsieur Groot, adulte, je vais le peindre aussi. Voili, voilou. Donc, je vous reprends.
Donc, voilà, mes achats de chez Action. Bon, je ne vais pas y retourner la semaine prochaine ni dans un mois parce que là, j'ai tout ce qu'il me faut. En plus, j'ai mes partenariats qui sont arrivés et j'en ai d'autres qui doivent arriver. Donc, voilà. Donc, du coup, je ne vais pas retourner chez Action d'ici à peu près un mois et demi. Une autre chose que je voulais vous dire, parce que là, ça commence sacrément à me saouler. J'ai une certaine Carole M qui, à Noël, m'a demandé de faire un... Oui, à Noël, oui, de faire un échange. Donc, je lui ai dit, oui, ok, pas de problème, on fait un échange. Donc, moi, super gentille, Sylvie, comme... J'ai fait un superbe calendrier de l'Avent avec du thé, en fait, qui est fait chez nous. Donc, je l'ai fait avec plaisir, hein, il n'y a aucun problème. Sauf que bah, j'attends toujours son retour. Et à chaque fois que je lui dis bah, ton retour, il est où? Ton retour, il est où? On me dit bah, je suis hospitalisée. Ensuite, après, j'ai eu un problème de famille. Ensuite, après, j'ai un proche qui est décédé. Ensuite, après, j'ai perdu je sais pas quoi. Ensuite, après, j'ai machin. Stop. Arrêtez. Arrête de me dire ça. Ça va faire déjà décembre, janvier, février, mars, avril. On est. Ouais, bientôt en avril. Ne t'inquiète pas, je vais te faire un calendrier de Pâques, pas qu'il arrive, le calendrier de Pâques, il n'y est toujours pas. J'ai horreur, mais horreur de ces gens-là. Dis-moi plutôt, je ne veux pas te le faire. Voilà, j'ai fait ça comme ça. Alors, si tu fais ça à toutes les filles qui sont, qui font des chaînes YouTube, bah, t'es hyper gâtée, ma fille, hein. Sauf que moi, les échanges, j'en ai fait il n'y a pas longtemps. Hein, j'honore mes échanges. Donc sachez que si il y a des filles comme voilà Rose Bonbon Coco, il y en a plein qui me suivent et que je suis. Sachez que si elles vous demandent un échange, cette personne qui s'appelle Carole M, d'accord, bah faites-le pas. Faites-le pas parce que vous allez faire des choses et voilà. Je sais qu'on n'attend rien en retour, mais un échange, ça veut bien dire ce que ça veut dire. D'accord? Moi, j'ai dit l'autre jour que j'avais des feuilles 30-30 et des feuilles A4 que je ne me servais pas, que j'étais OK pour les envoyer. J'ai une abonnée qui m'a répondu, eh ben, mes feuilles 30-30, elles sont parties. J'ai une abonnée sur Scrap Addict qui m'a demandé de faire un échange. Ben, l'échange, il est parti. Voilà. Je fais, comment que ça s'appelle, mais. Comment, mais je suis un peu énervée. Quand je suis énervée, je cherche mes mots. Je fais mes concours, voilà, le tirage, il est prêt, ça y est, c'est parti. Hein. Vous me demandez quelque chose, je le fais. Voilà. Moi, je suis comme ça. C'est, on me demande, je fais, on dit quelque chose, on le fait. Ou sinon, on ne le fait pas. On ne le demande pas. Et ou alors, si jamais on n'a pas envie de le faire, eh ben on dit directement, voilà, je t'ai demandé un échange, je n'ai pas envie de le faire, j'ai reçu le tien, mais je t'en enverrai pas. Voilà, point, c'est tout. Donc sachez que cette personne, Carole M, si elle vous demande un échange, ben faites-le pas. Voilà. Parce que c'est une perte d'énergie et puis que ces personnes, elles n'en valent pas la peine. Point. Je referai un petit tri aussi dans mes feuilles. 30-30 et mes feuilles A4, je suis en train de regarder mes blocs, oui, que je ne me sers pas. Je vous ferai une petite vidéo comme j'ai fait l'autre jour parce que c'était plutôt du vintage l'autre jour. Et je vous ai dit en commentaire, dites-moi si quelqu'un les veut. Bah, la personne m'a dit, hop Sylvie, si tu veux bien, tu me les envoies. Dis-moi combien je te dois. Non, c'est pas la peine. Non. Hop, c'est bon. Ça part, au lieu que ça reste ici et que moi je m'en serve pas, et ben bah, ça sert à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, je vous ferai un petit tour des feuilles que je ne me sers plus parce que j'ai fait du vintage l'autre jour et là, ça va plutôt être du, ouais, des choses un peu couleur café, choses comme ça que je ne me sers pas forcément. Voilà. Donc, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vais aller manger mes chocolats. Voilà. Tac, tac, tac. Je vais manger mes chocolats. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les Sildingos, les Sildingotes. Et puis, allez chez Action, faire chauffer votre carte bleue. Bisous, bisous. Ciao, ciao.